Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'espère que tout se passe bien pour vous euh, dans votre confinement, euh, votre quarantaine. Vous vous rendez compte euh, quand On parle de quarantaine. Une quarantaine, ça veut dire normalement, c'est 40 jours. Hein, les gens qui arrivaient, admettons, d'un pays étranger, lointain, ils mettaient 40 jours à rester sur un bateau ou autre. Quarantaine pour le 40 jours. Euh, on parle de confinement, on nous parle de deux semaines, puis c'est prolongé. Euh, sûrement que le confinement n'est plus un confinement, mais une quarantaine, une quarantaine, une soixantaine, une quatre-vingtaine, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas du tout du tout comment ça va se passer, mais c'est vraiment difficile. Les nouvelles ne sont vraiment pas belles et puis euh, c'est sûr qu'on regarde, on est obligé de regarder. Il faut qu'on soit informé d'abord de, euh, de ce qu'on doit faire, bien entendu, puisqu'il y a des mises à jour quasiment tous les jours, ce qu'on doit faire, comment... Euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on a plus le droit de faire Et puis qu'est-ce qui se passe dans le monde Alors oui, les médias en mettent beaucoup, c'est sûr. Hein, ils sont heureux avec ça. Chaque jour, c'est un nouveau scoop et euh, ils courent après. Ils aiment ça. Euh, ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent. Mais euh, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et puis euh, moi, j'ai vu une vidéo euh, ce matin même sur Facebook. Là, quelqu'un qui a mis une vidéo d'une infirmière. Ça se passait en France, dans un hôpital, une infirmière qui, pendant sa réunion, euh, où ils étaient un briefing avec la, leur chef là, elle avait mis son téléphone sur ses genoux puis elle a laissé tourner l'enregistrement audio et donc on entend des choses euh, vraiment non c'est pas ouf ce qu'on entend là dedans je vous le dirai pas vous avez juste à regarder si vous pouvez mais c'est pas beau c'est pas beau du tout on ne sait pas où on s'en va donc bon ça suffit pour le pessimisme j'en rajouterai pas plus que ça il fait beau aujourd'hui c'est très beau euh, quel jour on est aujourd'hui euh, vendredi je pense je ne sais plus quel jour on est hein. Comment est-ce qu'on vit? Oui, hier euh, j'ai fait mes tournages. C'est jeudi hein, hier oui c'est ça. Oui, c'est vendredi, bah oui. Je l'ai marqué sur ma feuille en plus. Vendredi le 27 mars. <laughs> Demain c'est samedi. Alors aujourd'hui c'est beau, beau temps. Il fait, euh, ils annoncent plus 8 degrés en maximum aujourd'hui. Euh, soleil toute la journée. Euh, alors là, euh, je fais cette vidéo un petit peu plus tôt que les autres jours. Puis là, on va aller prendre l'air, on va aller dehors en plein soleil. On va profiter un petit peu, puisqu'ici, on peut encore un petit peu sortir. Est, il est déconseillé de sortir tout ça, mais ils disent quand même, aller prendre une marche au soleil, ça fait du bien. Il faut rester à distance des autres personnes, c'est sûr, le plus possible. On ne touche à rien. On, on va juste prendre un peu le soleil, puis on re rentre. On ne reste pas longtemps dehors, mais ça fait du bien. Alors, euh, voilà, ben, comme je vous avais dit, je vous parlais un petit peu de certaines de mes tableaux. Je vous ai préparé ici, euh, j'ai sorti une de mes grandes toiles. Euh, je vais vous en parler, je vais vous montrer, les, je vous expliquer les techniques que j'ai utilisées pour faire ce tableau-là. Mais d'abord, je vais répondre aux questions qui ont été posées euh, un petit peu entre hier soir et ce matin. Il euh, y en a pas mal, regardez, j'en ai deux pages là. Alors, euh, Brigitte, d'abord, je voudrais, euh... je ne l'ai pas marqué là-dessus... Euh... Non, c'est ça, c'est... Il y a... Euh, mon Dieu. J'ai pas ma feuille d'hier là. Oui, bougez pas. Oui, excusez, c'est Daniel. J'ai oublié de le dire hier. Daniel qui m'a envoyé par email la photo de sa version du cormoran alors Daniel bravo félicitations d'ailleurs je vous ai répondu sur l'email mais euh, je tenais à en faire profiter tout le monde Daniel a fait euh, donc le, le cormoran la peint aussi à, donc sa version à elle Et vraiment, est vraiment c'est très très bien c'est superbe c'est du très beau travail euh, je dirais, quasiment mieux que le mien, puisque moi, je l'ai fait quand même relativement vite, là. Et euh, lorsqu'on prend un peu plus de temps, qu'on s'applique, on arrive à sortir quelque chose de plus réaliste. De, de, je ne dirais pas forcément plus beau, mais plus réaliste, voilà. Plus travaillé, plus peaufiné. Et euh, comme l'eau, elle était vraiment... Moi, on voyait beaucoup les petits points de toile et tout. Euh, C'est vraiment bien. Superbe beau trava travail. Euh... Félicitations, euh, Daniel. C'est superbe. Alors, euh, je vais répondre aux questions. Brigitte... Euh... Je fais une photo de mon tableau pour voir les détails qui ne vont pas. Euh, ah oui, c'est ça. Euh, donc, Brigitte dit que aussi, oh, moi, j'ai montré le miroir, hein, le miroir de Claude pour les, les valeurs, le miroir euh, pour voir le tableau à l'envers, pour le redécouvrir, pour voir les défauts. Effectivement, on peut prendre une photo du tableau aussi. Moi, je le fais, je le fais souvent. Prenez une photo de votre tableau pour regarder à l'écran de votre, ne serait-ce même que votre téléphone intelligent, là vous avez pris votre photo puis c'est comme si on le voyait de très 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 loin puis avec un œil nouveau. Mais il y a une chose qu'on peut faire aussi, c'est faire euh, une inversion de la photo, c'est-à-dire euh, un flip horizontal, un retournement horizontal de la photo, ce qui fait que tout ce qui est à gauche est à droite et vice versa. Ça fait vraiment comme dans le miroir et là encore une fois on redécouvre la photo, c'est le tableau. Et on a une vue vraiment plus objective et on va voir des défauts qu'on ne voyait pas lorsqu'il était en position normale. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de prendre la photo puis de la transformer avec des filtres sur votre téléphone, il y en a là, en noir et blanc. Lorsque votre tableau est en noir et blanc, alors là, vous allez vraiment vous rendre compte des valeurs, les différences de valeurs. Bon, c'est sûr que si vous avez, admettons, euh, je donne un exemple, un tableau avec des géraniums, tiens, voilà. Et là, vous avez les fleurs rouges et les feuilles vertes, n'est-ce pas? Le rouge et le vert, ça fait un fort contraste, c'est complémentaire. Et si vous mettez la photo en noir et blanc, vous allez dire Ah ben là, peut-être que vous voyez plus de contraste du tout, parce que ça sera les mêmes valeurs. Donc le rouge, admettons, c'est une valeur moyenne, et le vert aussi est une valeur moyenne, on verra pas les différences. Mais dans ce cas-là, il faut en tenir compte, se dire Oui, mais c'est pas grave, parce que les contrastes, ils sont pas de valeur, mais ils sont de couleur. Donc ça, c'est correct, ça fonctionne. Par contre dans certaines autres choses comme par exemple si vous avez une forêt où tout est relativement vert, des verts pâles, des verts foncés, euh, si vous trouvez que en noir et blanc on ne voit pas assez de différence, qu'on ne voit pas du foncé où ça doit être foncé, du pâle où ça doit être pâle, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui manque à votre tableau qu'il va falloir réajuster par exemple. Hein. Donc voilà donc le noir et blanc ça va aider pour ces choses-là comme par exemple un portrait, un visage, si vous le mettez en noir et blanc, là, à la photo, vous allez peut-être voir qu'il manque de contraste entre les zones à l'ombre et les zones à la lumière. Voyez, donc c'est une bonne chose de faire la photo du tableau aussi, juste pour évaluer le travail, voir où est-ce qu'on est rendu. Euh, Sophie qui demande, est-ce qu'on est obligé d'utiliser du médium à glacis La peinture bien diluée ne pourrait-elle pas suffire Là, on parle de pour faire du glacis à euh, en acrylique, ça c'est sur la vidéo où je montre comment faire des ombres rapidement avec un glacis en acrylique. Alors, si vous voulez faire un glacis avec de la peinture acrylique, vous pouvez utiliser de l'eau, oui, pour diluer la peinture. Sauf que l'eau, par sa fluidité, va vous amener à une répartition irrégulière des pigments. Donc, il va y avoir des endroits où ça va être plus foncé, des endroits où ça va être plus pâle, des endroits où ça va... on va même voir un peu la, la texture du pigment. Ça sera très irrégulier. Parce que l'acrylique, ce n'est pas vraiment une peinture qui est faite pour mélanger avec de l'eau pour peindre. Lorsque c'est pour faire un fond, ça va, tu sais, on va revenir dessus après. Mais si c'est pour faire des finitions, comme par exemple un glacis, c'est une finition, on le fait à la fin, euh, il vaut mieux utiliser du médium à glacis. Le médium à glacis, il est vraiment fait pour ça de par sa, on va dire, sa viscosité. Et bien entendu, sa transparence. Il est moins blanc qu'un médium... Normal, hein, disons un médium euh, acrylique mat ou euh, brillant, euh, ces médiums-là, ils sont plus blancs. Donc au moment où on l'utilise, il est plus blanc, il blanchit beaucoup la, la couleur, puis en séchant, il devient transparent. Mais au moment où on l'utilise, le médium à glacis, il est moins blanc, il est un peu plus transparent. Donc on voit mieux déjà l'effet que ça va faire lorsqu'il sera sec. Ne serait-ce que pour la répartition des pigments, il vaut mieux utiliser du médium plutôt que de l'eau. Euh, Lena euh, qui dit euh, C'est la prof aux Beaux-Arts qui m'avait recommandé la Liquitex Basic euh, en me disant que c'était très bien, pas étonnant que je suis passé à la peinture à l'huile. Oui, euh, ça c'est peut-être dans une autre vidéo où je parlais, oui, dans les sept erreurs en peinture, où euh, euh, je disais de bien choisir son matériel, tout ça. Bon, moi personnellement, je trouve que la Liquitex Basic elle est très transparente, euh, elle, elle ne couvre pas assez et lorsqu'on peint à l'acrylique, euh, on a des difficultés, on... c'est très difficile de peindre avec cette peinture-là. Et là, quand j'ai dit ça, il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi je peins avec la basique de l'Iquitex et j'aime bien ça, je m'y suis habitué, je l'aime beaucoup. » Alors c'est très transparent, il faut juste le savoir. Si vous êtes quelqu'un qui peignait euh, beaucoup justement en transparence, qui, si vous faites des effets un peu d'aquarelle, si vous utilisez la peinture acrylique dans un but justement de faire beaucoup des glacis, eh bien la, la, la basique elle est vraiment bonne pour vous c'est ça qu'il faut utiliser maintenant si on veut de l'opacité si on veut que ça cache ce qui est en dessous on va se battre avec la peinture pendant longtemps et c'est pas agréable voilà donc vous voyez selon le cas il vaut mieux telle ou telle peinture dans la basique c'est ça elle est transparente c'est une peinture qui contient très peu de pigments elle est basique puis c'est la moins chère je pense de toutes les peintures acryliques sur le marché ce n'est pas pour rien, c'est que les pigments qui sont les plus coûteux dans la peinture, mais il y en a très peu à l'intérieur. Voilà. C'est comme si on prenait du médium acrylique, euh, que je mélange de la peinture de bonne qualité dans du médium acrylique en grosse quantité de médium, et que je me retrouve donc avec cette peinture qui sera très diluée de médium, médium gel, disons, très dilué, ou le pigment est très dilué. Ça fait des peintures assez pauvres en pigment. Donc euh, voilà. Donc Sophie, elle s'est trouvée dans le même cas que moi où, avec la peinture basique, euh, j'ai été découragé de faire de l'acrylique. Je suis passé à l'huile. Mais lorsque j'ai dû re reprendre l'acrylique la parce que j'en étais obligé pour une commande, c'est là où j'ai commencé. J'ai acheté la Golden. Et là, là waouh, ça a été pour moi une révélation. J'ai pu lâcher l'acrylique. Maintenant, j'en fais autant que de la peinture à l'huile. Lena qui dit, oh, non, c'est ça. Je viens de le dire. Maurice, alors bonjour Maurice. On se parle souvent, on s'est parlé aujourd'hui deux fois sur euh, par courriel. Je vois que dans la vidéo d'hier, il y a eu aussi deux messages de Maurice, Maurice euh, qui est à Marseille. Alors euh, bonjour à Marseille. J'espère que vous avez un beau temps et qu'au moins que vous pouvez être soit dans un jardin, soit au balcon au minimum là, pour profiter du soleil. Euh, pour la Joconde, la première couche, il me demande euh, est-ce que c'est de l'ocre jaune ou de la terre de sienne. En fait, j'ai fait la, la première couche avec la terre d'ombre brûlée. Terre d'ombre brûlée uniquement pure, pas d'autre couleur. Puis après, j'ai mis un petit peu de noir dans le dessin après, mais c'est juste de la terre d'ombre brûlée. Euh, tu nous parles du noir de fumée. J'ai eu la surprise hier, lorsque j'ai utilisé du noir d'ivoire, pensant avoir un noir profond, de me retrouver avec un noir violacé. Qu'il a fallu rajouter du terre d'homme brûlé pour avoir le noir que vous, que vous cherchez. Mais c'est ça, les noirs, euh, si vous amusez, j'ai fait une vidéo sur les noirs. Dans la formation en ligne, il y a une vidéo sur les noirs et je les ai euh, testés euh, en les diluant avec de l'eau, euh, pardon, du solvant pur et euh, en les mélangeant à du blanc. Et les gris vont être tous différents selon que c'est du noir de bougie, euh, du noir de fumée, du noir d'ivoire, euh, du noir de mars aussi. Euh, le noir de Mars, euh, moi j'avais toujours entendu dire qu'il était rougeâtre, et eh bien non, juste je, je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était plutôt bleuté, vous voyez. Euh, chaque noir, ah oui, lorsqu'on dilue le, le noir en mettant acrylique avec de l'eau euh, ou du médium, euh, à l'huile avec du solvant, qu'on le met sur une surface blanche, vous allez voir une couleur qui va être différente euh, de la couleur du même noir mélangé à du blanc. C'est assez bizarre, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on peint avec du noir, en mettant, je fais euh, une couche de fond sur une toile là, euh, très diluée, que je, le blanc de la toile traverse le noir, ça va donner une couleur. Mais si je mélange le noir à du blanc, que je l'applique, ça donne une autre couleur. C'est surprenant les effets euh, des pigments. Hein. Et alors, moi, je vous invite à, si vous avez euh, des couleurs comme ça, faites-vous des nuanciers euh, pour bien connaître vos couleurs. Prenez une feuille de papier, vous faites des cases et vos couleurs, vous les diluez pour les appliquer sur les cases ici. Puis là, vous les mélangez à du blanc pour ces cases-là. Et puis vous les mélangez à d'autres couleurs pour d'autres cases. Prenez... J'ai fait dans la formation, dans le cours de couleurs, il y a les nuanciers où j'utilise, je pense, 6 ou 7 couleurs. Chacune de ces couleurs est mélangée à l'autre euh, selon différentes euh, forces. Et je fais des nuanciers comme ça, ce qui fait que ça vous donne, par exemple... Vous allez savoir si vous mélangez votre bleu outre-mer avec votre jaune citron, avec votre jaune cadmium moyen, avec votre ocre jaune, avec votre rouge cadmium, avec votre cramoisie d'alizarine, avec votre terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. Vous allez voir les couleurs que ça va donner. Et après ça, lorsque vous allez chercher vos couleurs, vous saurez quel est déjà le la nuance, la teinte que donnent vos couleurs lorsque vous les mélangez entre elles. Mais juste le fait de réaliser cet exercice, pendant que vous le réalisez, ça rentre en vous. Et là, après, vous le savez, vous allez dire, ah ben tiens, si je mets du jaune cadmium clair avec du noir, ça fait du vert. Mais vraiment un vert assez vif quand même. Tu sais, ah ben, je savais pas. Comme ça, en, en passant vite, vite sur YouTube, vous savez, euh, quand j'arrive sur YouTube, on me propose des vidéos. Hein, euh, et là, j'en vois une. Euh, Quelqu'un qui fait un visage, un portrait, puis c'est en français en plus, je ne sais pas c'est qui, en tout cas, je ne l'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu le, le titre, ça m'a interpellé. Euh, la personne a dit euh, euh, un portrait, euh, peindre un portrait avec juste deux couleurs complémentaires. Et il utilise un vert, un certain vert, puis un certain rouge et du blanc. Et avec ces deux couleurs et le blanc, il fait un portrait vraiment beau, réaliste. C'est incroyable comment on peut aller chercher toutes sortes de nuances de couleurs avec juste deux couleurs. Et ça, ce sont des genres d'exercices qu'on, quand on était à l'université en Beaux-Arts, c'est ce genre d'exercices qu'on nous faisait faire, effectivement, un tableau avec deux complémentaires et du blanc. Et c'est vrai que ça donne des résultats très surprenants, mais très beaux aussi, très très beaux. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à Maurice au niveau des noirs. Serge. Alors, bonjour René, alors là je vais avoir euh, des réponses euh, pour... Euh, on parle du glacis encore. Euh, j'ai plusieurs questions euh, qui vont se rejoindre dans la même réponse à peu près. Bonjour René, quelle peinture avez-vous posée en première impression sur votre Joconde Et qu'est-ce qu'un glacis La peinture que j'ai utilisée, bon c'était, euh, je pense, de la PBO. Attendez, elle est où Elle est ici. Ah, j'ai échappé mon pinceau. Alors, vous voyez, j'ai utilisé pour faire mon noir parce que j'en avais plus du bleu outre-mer de PBO, très ordinaire, PBO Studio, et du terre d'ombre brûlée de euh, Winton, Winsor Newton, très ordinaire, du solvant à peinture, du liquin, et oui, donc j'ai peint. Euh, C'est un glacis parce que j'ai fait mon dessin au crayon, donc je voulais voir mon dessin à travers cette couche de fond. Là actuellement comme le dessin est fait je vois très peu mais je vois encore un petit peu mon coup de crayon heureusement mais c'est parce que maintenant il va falloir que j'y réajuste tout ça quand je vais venir avec ma couche opaque là après ça je ne verrai plus mon dessin donc c'est là où je dois vraiment être très précis sur mon dessin au moment d'appliquer la prochaine couche. Elle va être très difficile, très longue à faire. Ça va être le plus gros travail sur la Joconde, la prochaine étape, sûrement. Et moi je pense que je vais faire ça mardi ou mercredi. Euh, oui, c'est ça. Selon à quelle, heure je vais à, à quelle heure je vais recevoir mon blanc de zinc et mon noir. Alors, euh, qu'est-ce qu'un glacis Un glacis, je vais en parler parce que ça, c'est tout peint au glacis. La définition du glacis, eh c'est une couche de peinture transparente. Donc, on voit à travers. Ça, c'est la définition du glacis. Ne pas confondre parce que glacis, on pense à glaçage. Il y en a qui disent ah, est-ce que je finis mon tableau après, est-ce que je mets un glacis pour le protéger J'ai déjà entendu ça. Non, on parle d'un vernis à ce moment-là. On met un vernis pour le protéger. Le glacis, c'est pour peindre, c'est pour apporter de la couleur sous forme de couches transparentes. C'est comme un filtre coloré comme est sur la toile. Je vais en parler en détail. Alors, euh, Mika demande euh, Comment fait-on pour éclaircir du rouge sans qu'il devienne rose pour les ombres et lumières Oui. Alors, le rouge, je vais prendre mon cercle chromatique. Attention, je marche sur les fils. Coucou, me revoilà. Alors, voilà, le cercle chromatique, hein, vous le connaissez. Le rouge est ici. Si on mélange du blanc, ça devient rose, bien entendu. Et le rose ne fait pas partie de la gamme des rouges. Le rose, ça fait partie de la gamme des mauves. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, le, le mauve, on le voit noir Ouais, c'est ça, c'est parce que si euh, il faudrait que je le rapproche, peut-être, attendez un petit peu. Je vous le mets comme ça. Est-ce que vous le voyez toujours noir ici, peut-être moins Voilà, on commence à voir dans ça. C'est très foncé. Hein. C'est sûr que c'est en raison du, euh, des écrans, de la caméra. Euh, c'est sûr que... Moi, je le vois mauve ici, là, c'est sûr, parce qu'il est en vrai. C'est mes yeux qu'il voit. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas capté par un, un capteur euh, de caméra. Il faudrait que je... En plus, il est plein de poussière, là, maintenant. Mais euh, il est mauvais. Effectivement, il aurait pu être plus pâle, mais... Euh, Peut-être que je vais demander à Linda, s'il y a un moment, de, de me refaire ces trois cases ici, là. Oui. Et celle-là. Euh, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, on parle de glacis. Alors, il faudrait que je repeigne ces quatre cases en blanc. Hein et une fois que c'est bien sec, qu'on réapplique le mauve, le bleu mauve, le violet, le bleu violet et le rouge violet, mais très transparent pour que le blanc passe à travers. Tandis que si je mélange du blanc à la couleur, admettons que je fais du violet, puis j'y mélange du blanc pour l'appliquer ici, bien le violet va virer au gris. Il ne sera pas aussi violet que si je l'applique transparent sur un fond blanc. Je ferai un glacis de violet sur un fond blanc, la couleur va être beaucoup plus éclatante. Ça sert à ça les glacis, entre autres. Je reviens pour le rouge clair. Alors comment pâlir du rouge Si je mets du blanc, ça devient du, mauve, du rose. Et le rose, fait la, ça fait partie de la gamme des mauves, des violets et des mauves pâles. On va devenir rose. Donc le rouge, lui, il s'éclaircit par l'orange vers le jaune. Si je veux éclaircir du rouge, je vais mettre du jaune dedans. Si je mélange du rouge, un petit peu de jaune et un petit peu de blanc, oui, ça va être un rouge plus pâle. Ça peut fonctionner aussi, mais attention, au moment donné, ça risque de devenir trop rose. Alors même un peu plus de jaune. Là, ça devient saumon. c'est ça, c'est d'aller chercher le, on va dire, la bonne valeur selon la quantité de blanc, mais aussi la bonne couleur selon la quantité de jaune qu'on va mettre dans le rouge pour obtenir nos, nos rouges plus pâles. Mais c'est sûr que si vous partez d'un rouge foncé, à, à mettons un cramoisi d'alizarine, eh je vais commencer par le pâlir avec un rouge plus pâle. Euh, un rouge cadmium foncé puis je le palie avec un rouge cadmium pâle, euh, moyen puis après on peut aller avec le rouge cadmium clair après ça on peut prendre un vermillon qui devient encore plus pâle voyez puis après ça on tombe dans les oranges bon, le vermillon même c'est très près de l'orange voilà donc c'est comme ça qu'on va utiliser le rouge pour le pallier on va aller plutôt vers les rouges orangés plutôt que de mettre du blanc alors il me reste encore quatre questions Farah euh, qui dit Ah oui, ok, ça c'est pour parler de la formation. Très enrichissant, conseil précieux. J'ai cessé de peindre depuis 14 ans environ. J'apprécie vos vidéos qui me font un grand bien. Je suis un peu perdu dans le choix des cours. Quelle formation choisir Je n'ai plus 20 ans, mais largement retraité. Et pourtant, j'adore peindre à l'acrylique, pas à l'huile, cause de santé. Faut-il recommencer à zéro les cours de peinture euh, Si vous avez... Peint avant que vous peigniez, puis que là, ça fait 14 ans que vous n'avez plus peint. Euh, ça dépend de, on va dire, de quel, les acquis que vous avez eus avant, euh, quels étaient vos acquis, puis euh, est-ce que vous en avez encore les souvenirs Parce que, admettons, euh, ça fait 14 ans que vous n'avez pas touché un pinceau, puis euh, vous aviez une bonne base. et eh bien, peut-être que juste en regardant un petit peu quelques cours, en disant, tiens, le, le Cercle chromatique, ah oui, maintenant je me souviens, euh, le dessin, ah oui, je me souviens, la règle de perspective, ça, ça rentre bien, euh, maintenant c'est correct. Juste une petite révision, ça suffirait, euh, mais il faut les avoir ces informations-là, donc je dirais oui, repartir avec un cours de débutant. C'est comme euh, des personnes qui arrivaient à l'atelier en disant « oui, moi j'ai déjà fait de la peinture avant, ça là ». Mais euh, soit ils disent j'ai pas eu vraiment des bonnes bases ou alors ils disent j'aimerais reprendre à la base pour réviser avant de passer à des projets personnels. Je pense que c'est mieux de revenir à la base. Euh, si vous allez euh, parce que là vous demandez dans les cours dans la formation. Si vous allez dans la formation en ligne, la peinture, c'est facile, vous avez les 30 premiers jours d'essai gratuit avant de commencer à payer vos abonnements mensuels ou annuels, prenez un forfait basique, le moins cher, et là, vous allez voir tous les cours, vous allez pouvoir accéder, et vous allez voir les bases et vous dire, ah ben ok, ça, je l'ai vu, je l'ai vu, mais c'est bon, euh, maintenant je m'en rappelle, je passe au suivant, au suivant, puis après, vous allez dire, bon, ben, là-dedans, il y a, mettons, pour le niveau que j'ai, pour ce que j'ai besoin de faire, j'en ai plus besoin, ben, vous pouvez quitter la formation et partir. Dans vos projets personnels, avec votre propre inspiration, tout ça. Mais si vous avez besoin de technique, il va falloir passer par là. Si vous, voulez, euh, si vous me posez la question par rapport aux autres cours qui sont disponibles en accès à vie permanent, qui sont dans le catalogue, c'est sûr, il y a un cours de peinture pour débutants acryliques. Vous avez pas mal de bases dedans. À ce moment-là, vous pouvez l'acheter pour euh, apprendre, euh, réviser, réapprendre les bases. Et ça vous suffit après pour partir sur des projets personnels aussi. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais soit de vous inscrire à la formation La peinture, c'est facile au complet en abonnement basique, ou bien d'acheter le cours de peinture pour débutants acryliques. Voilà. Il y aura, à un moment donné, je vais rajouter dans le catalogue des cours avancés, mais pour l'instant, ils n'y sont pas encore. Des techniques avancées de peinture à l'huile, peinture acrylique. Maurice Hervé qui a réécrit aussi, alors là, ce n'est pas une question, c'est une... Un complément d'information par rapport à la, à la loi sur les droits d'auteur. Donc, si vous allez dans la, dans la description, dans les commentaires de la vidéo d'hier, donc de jeudi, euh, vous allez voir que Maurice il a marqué donc, les, le texte officiel de la loi sur les droits d'auteur. Euh, je me rappelle pas si je vous avais dit 70-75 ans euh, au niveau des. Euh, après le décès d'un artiste en France où les droits d'auteur tombent dans le domaine public, euh, c'est 70 ans. Il a confirmé, c'est ça. Donc c'est 50 ans ici au Canada, 70 ans en France. Euh, et son complément est vraiment très intéressant, vous pouvez le lire. Christian qui dit ⁇ Salut René, merci pour tes réponses. On voit des peintres qui peignent directement au couteau, dont on n'utilise aucun médium. ⁇ ils appliquent la peinture brute sur la toile. Cela pose-t-il un problème de conservation, de fissurage, etc. Si on parle de peinture à l'huile, euh, on a vu des peintures au couteau qui ont craqué. Oui, on en voit euh, notamment des peintures de RioPel. Euh, Est-ce qu'on doit mettre quelque chose dans la peinture Moi, je vous dirais, regardez, vu qu'on est en 2020, que nous avons une gamme de produits... Euh, qu'on trouve sur les tablettes des magasins de matériel d'artiste, une gamme de produits extraordinaires, euh, et qui nous garantissent que la peinture va mieux se conserver dans les années, les décennies, les siècles à venir. Pourquoi ne pas s'en servir Personnellement, quand je peins au couteau, à l'huile, euh, si je le peux, parce que la ventilation est suffisante, je vais utiliser un médium d'empattement. Pour la peinture à l'huile. Donc, soit le Lucas, soit le, le médium d'empattement aussi de Winton, il est très bon aussi, mais j'ai acheté des tubes de 200 ml de Lucas Butter, Lucas Butter, il est excellent, ça sèche très vite. En intérieur, il faut que ce soit bien ventilé parce que ça sent fort aussi. Ça sent très fort. Euh, voilà. Maintenant, euh, quand j'ai peint la dernière fois au couteau où j'étais à l'intérieur, je pouvais pas l'utiliser, ben, je n'ai rien mis dans la peinture non plus. Voilà. Euh, c'est sûr que si on mélange un petit peu de médium d'empattement, c'est fait pour ça. Ça va permettre à la peinture de sécher plus vite, donc ça prendra pas euh, 5-6 ans avant d'être sec au toucher à l'intérieur. Euh, puis ça va vous assurer d'avoir une matière, une fois que c'est sec, qui sera caoutchouteuse, souple. Qui pourra épouser les mouvements de la toile sur laquelle elle est posée si des fois on bouge la toile. Tu sais. Si ça devient trop dur, sec et cassant, ben, si la toile bouge, ça va casser. C'est certain. Donc, est-ce que c'est bien. Euh, c'est quoi la question exactement euh, Est-ce que ça. Un problème de conservation, de fissurage On le verra dans 50 ans ou dans un siècle. Voilà. Mais. Euh, Peut-être avant, je ne le sais pas. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, voilà. Moi, j'utiliserai des produits qui vendent aujourd'hui pour que ça se conserve bien. C'est sûr que ça ne va pas craquer dans 2-3 ans, c'est certain. Ça va prendre beaucoup plus de temps parce que lorsqu'on peint au couteau, c'est très épais. Si vous mettez de la peinture pure à l'huile, ça va prendre plus que trois ans à sécher vraiment à l'intérieur. Euh, ça, c'était pour la peinture à l'huile. Si c'est pour la peinture acrylique... Moi, je mets toujours du médium gel épais ou du médium gel très épais lorsque je peins au couteau en acrylique parce que l'acrylique est trop fluide. Même une, une peinture acrylique euh, haute viscosité, elle n'est pas assez elle n'a pas une viscosité suffisamment euh, pâteuse euh, pour bien se travailler au couteau. Il vaut mieux mettre du médium gel et vous allez voir que de suite waouh, ça peint beaucoup mieux, plus facile. Alors, euh, j'avais autre chose aussi. La dernière question. Bonjour René, merci pour ces trucs et astuces des miroirs. Pouvez-vous nous parler des pinceaux pointe ferme chisel Comment les utiliser Est-ce mieux que les pinceaux traditionnels Merci, bonne journée. Non, c'est pas mieux que les pinceaux traditionnels. Alors Les pinceaux pointe ferme chisel, oh je n'en ai pas pris, j'en ai dans la pièce d'à côté. Je ai pas ici. Ça savez, c'est un pinceau avec une pointe en silicone. Soit c'est rond, soit c'est plat, c'est biseauté. Je ne sais pas à quoi ça sert. Personne, enfin... Personnellement, je ne m'en sers, j'en ai, je ne m'en sers uniquement que pour appliquer de la gomme de réserve pour mes aquarelles. Voilà, parce que je trouve c'est merveilleux pour appliquer la gomme de réserve. Là, on prend ça, on en a des petites pointes, on en a des allongées, des fins. On peut faire des lignes très longues avec ça, de la gomme de réserve en mettre très mince. On maîtrise très bien la position, le positionnement de la gomme de réserve avec ces pinceaux-là. Puis quand on a fini de s'en servir, la gomme de réserve va sécher dessus. Fait qu'avec le doigt, on pousse comme ça, on le retire très facilement. Il devient propre très facilement. Parce que vous savez, la gomme de réserve, c'est pas facile à nettoyer. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut peindre avec Oui, sûrement. Mais qu'est-ce que ça donne de peindre avec ça Je n'en sais rien, je ne m'en sers pas. Honnêtement, je vous le dis, là, je ne sais pas. Euh, voilà. Je trouvais que quand j'ai vu ça dans le commerce, je me suis dit, ah, ça va être bien pour ma gomme de réserve. Voilà. Alors, je les ai achetés. Plusieurs modèles, plusieurs tailles. Alors voilà, donc euh, j'ai fini avec les questions pour aujourd'hui. Je vais vous parler de ce fameux tableau. Alors, on va parler de glacis justement. Alors, euh, comment est-ce que j'ai réalisé ce tableau qui, euh, qui plaît beaucoup dans la famille Il plaît beaucoup à ma femme. C'est sûr que ça m'a pris pas mal de temps. Alors, c'est une photo que j'avais réalisée. Donc, euh, j'ai acheté trois roses. Je voulais des roses mauves. Alors, je suis allé chez un fleuriste. J'ai demandé des roses mauves. Euh, je pense que la personne les, me les a commandés, puis lorsqu'elles sont arrivées, je suis allé les chercher. Il n'y en avait pas que trois, j'en avais une douzaine. Hein. Fait que euh, je les ai sacrifiés, j'ai coupé les tiges, je les ai placés, j'ai fait beaucoup de photos, plusieurs photos avec des éclairages calculés, tout ça. J'ai vraiment fait ma composition de nature morte pour le plaisir de faire quelque chose de beau et de créer par moi même alors c'est sûr j'ai scotché les, les roses sur euh, sur le meuble les feuilles aussi tu sais, c'est c'est tout tenu quasiment artificiellement là tout ça là, parce que et puis euh, c'était coupé donc c'était vraiment juste pour faire les photos parce que j'aurais pas pu le peindre sur le motif elles auraient déjà elles auraient été fanées très rapidement voilà donc j'ai fait les photos beaucoup de photos euh, différents éclairages différents réglages de luminosité après ça les photos dans l'ordinateur revues retravaillées sur photoshop pour bien retrouver les réelles euh, luminosités et couleurs tout ça une fois que j'étais satisfait de ma photo j'en ai choisi une recadrée tout bien pour le format de tableau ici c'est un 24 par 36 pouces donc un format standard quand tout ça s'était fait eh bien j'ai commencé mon travail voici toutes les étapes j'ai pris une grande feuille de papier euh, et mon fusain, puis je les ai dessinés au fusain, comme ça, d'après la photo. Premièrement, pour faire une première pratique pour m'exercer. Quand ça s'était fait, j'ai jeté mon dessin et euh, j'ai commencé à les dessiner sur, le, sur ma toile, toujours au fusain. Euh, L'avantage de faire ce style de dessin-là, c'est que, regardez, vous n'avez pas la photo à côté. C'est-à-dire que vous voyez cette, cette forme de pétale ici là comme ça là, si sur la photo il était un petit peu plus gros ou un petit peu plus bas, vous ne le savez pas, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Par contre, le fait de l'avoir dessiné à la main comme ça, ça m'a fait, ça m'a procuré un plaisir immense. Voilà. Euh, donc c'est euh, dessiné au fusain à esquisse, fusain de sol ou de vigne, je ne sais plus. Et euh, j'ai noirci c'est toute ma toile au Complet, j'ai effacé les lumières avec une gomme à effacer, j'ai renoirci les endroits sombres. J'ai fait un dessin en noir et blanc qui était le plus possible euh, comme la photo, le plus possible fini, beau avec les ombres, les lumières. Euh, voilà, donc un, un très beau, magnifique. Là, j'ai mis du fixatif. Hein? On m'a posé une question, Tiens, ça ne me vient pas comme ça dans la tête. Est-ce qu'il y en a qui utilisent du fixatif à cheveux, de la laque pour les cheveux, pour fixer du fusain Est-ce que c'est bon ou non J'en sais rien. Moi, j'ai toujours pris du fixatif à fusain pour fixer mes fusains. Parce que je sais que je vais peindre après dessus. Puis je sais que mon tableau, je ne veux pas qu'il soit dégradé, abîmé dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas quest ce que ça aurait donné de la laque à cheveux en dessous. Plus tard, je ne le sais pas. Est-ce que c'est -ce est sans acide C'est pas marqué sans acide. Hein comme sur un fixatif à fusée, c'est écrit sans acide. Donc pour la conservation, moi je sais que mon fixatif à fusée sera certainement meilleur que la laque à cheveux. Puis de la laque à cheveux, ici on n'en a pas, moi j'en mets pas, et Linda non plus. Bon. Donc tant qu'à aller acheter un, un aérosol, autant que ce soit le bon. Donc voilà, j'ai mis mon fixatif partout, et quand ça, ça a été fini, j'ai commencé à peindre avec une peinture noire, donc du noir d'ivoire et du blanc de titane. Et là, j'ai peint mon tableau tout en noir et blanc, le plus précis possible, avec le plus de détails possible, tout en restant, on va dire, deux tons plus pâle que la photo pour tout ce qui est foncé et noir. Il okay faut rester plus plus pâle, un peu plus pâle parce qu'après on va rajouter la couleur dessus. Voilà. Une fois que le tableau, qu'il est fini en noir et blanc, là je prends mon temps. Ça c'est la partie la plus longue à faire. C'est la même que je vais faire sur la Joconde. Hein. Euh, sauf que ça ne sera pas en noir et blanc, ça sera en couleur, mais c'est cette partie-là. À ce moment-là, il faut qu'il y ait zéro défaut à la fin. Parfait, parfait, parfait. C'est tellement parfait, le tableau en noir et blanc est tellement beau que les gens à qui on le montre, ils vont dire, hey, tu vas pas mettre la, de la couleur là-dessus, maintenant il est trop beau, tu vas l'abîmer. Si tu mets de la couleur là-dessus, c'est sûr, tu vas faire des erreurs, tu vas l'abîmer, il faudra arranger, recommencer. C'est pas vrai, c'est faux, parce que la couleur, on va la mettre maintenant en couches transparentes de glacis, donc c'est ça les glacis, et euh, un certain nombre de couches pour obtenir la couleur finale. Voilà. Alors le glacis, c'est là où on va commencer à travailler avec. Ça, c'est en peinture à l'huile, au fait. Hein. Donc, une fois que mon noir et blanc est, est sec, alors ce noir et blanc-là, à l'origine, c'est une, une méthode ancienne, hein, on appelle ça la détrempe, OK Et en vérité, à l'époque, ça s'appelait une détrempe à l'œuf. Donc ça se faisait avec euh, des pigments, de la peinture, on va prendre la peinture à l'huile traditionnelle à laquelle on rajoute du jaune d'œuf. Et euh, ça vous fait une, une peinture pâteuse qui va sécher très vite, qui va devenir très opaque. Mais euh, aujourd'hui, là, je vous dirais, euh, c'est plus la peine de faire ça, mais à l'époque, ils faisaient ça comme ça. Là. Euh, et donc, euh, l'opacité est rendue par la peinture. Juste le blanc de titane, le, jaune, le noir d'ivoire, ça suffit. De toute façon, c'était la toile qui était blanche en dessous, hein, ou du moins le dessin au fusain. Donc voilà, quand le tableau est beau, là, on va commencer les glacis. Alors, il faut que ce soit bien, bien sec. Les glacis, bien entendu, je vais les faire après avec du liquin, liquin original. Donc, euh, j'ai commencé par faire ma première couche de glacis tranquillement. Donc, beaucoup de liquin, très peu de peinture. Le ratio, normalement, c'est 90% de liquin, 10% de peinture. C'est extrêmement transparent. Et là, je commence à appliquer mon, rose sur, mon mauve sur les roses. Mon vert sur les feuilles, un peu de mauve sur la table ici, l'arrière-plan aussi, une espèce de bourgogne. Ça, c'est fini, on le laisse sécher complètement. Et là, à ce stade-là, le tableau, il paraît comment eh bien, Il paraît toujours gris, ça ne se voit quasiment pas. Voilà. Quand c'est complètement sec, donc comme c'est au liquin qui a très peu de peinture, beaucoup de liquin, ça sèche vite. On peut parler de 12 heures de séchage, le lendemain, on est tranquille, et là, on revient, on fait une deuxième couche, la même chose. Du mauve sur les roses, du vert sur les feuillages, du bourgogne un petit peu à l'arrière-plan, du mauve ici. tout. C'est vraiment uniforme, ça va très vite ça. On prend un pinceau euh, uniforme comme ça, du rose, du mauve ici. Et là on laisse sécher complètement. Ça a donné quoi Ça a donné quoi On commence à voir le gris se teinter un petit peu. Et comme ça on continue. De troisième couche de couleur, pareil. Et petit à petit, comme ça, 3, 4, 5 couches, ça commence à se teinter de plus en plus. Mais il faut surtout ne pas être pressé, il faut aller très, très lentement dans le nombre des étapes. Dans les étapes. Il ne faut vraiment pas être pressé. Si jamais je reviens travailler dessus, alors que ce n'est pas complètement sec, la peinture va se décoller, la couche d'en dessous va se décoller, c'est une horreur. Là, c'est fini, fini, fini. Il va falloir laisser sécher complètement, puis revenir à l'étape où on était avec l'opacité. On recommence avant les glacis, on remet encore le noir et blanc, et puis on recommence les glacis, c'est un drame. Donc il vaut mieux vraiment attendre que ce soit bien bien sec entre les couches. Au fur et à mesure qu'on avance dans les couches, là on va commencer à modifier les couleurs, c'est-à-dire que dans les ombres, je vais mettre un petit peu plus de bleu. Dans les lumières, peut-être que je vais mettre un petit peu plus rosé. Hein? Les, euh, les lumières ici, un petit peu plus rosé. Dans les verts, des verts plus jaunes, des verts plus bleus. Hein? Hein? On commence à modifier les couleurs dans les prochaines couches de glacis. Et comme ça, on est rendu à peu près au total à une dizaine de couches de glacis. À force de rajouter donc ces filtres colorés sur la peinture, quel est l'effet réel C'est que la lumière va traverser mettons ces dix couches de peinture colorées, les dix couches, ta, 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 ça va frapper au fond sur le blanc de la toile. Et ça retraverse encore les 10 couches de couleur pour arriver à notre œil. Ce qui fait que s'il y a dix couches de glacis, notre œil voit 20 couches de couleur. Vous comprenez le principe Dans les parties pâles, les parties sombres, elles, ça fait aussi, ça fonctionne, mais on le voit moins. Hein. Et comme ça, petit à petit, à force de rajouter des couches de couleur, les parties pâles sont devenues colorées, mais foncées, plus foncées. Donc à la fin, lorsque toutes ces, ces étapes-là sont terminées, on va rééclairer un petit peu les parties les plus pâles pour ramener de la lumière. Comme ça, ici, vous voyez, ça là. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ici On refait encore des couches de glacis, mais cette fois-ci, on lui ajoute du blanc de zinc. Le blanc de zinc est un blanc transparent, en fait qu'on en met une fois, deux fois, trois fois. Le blanc peut être teinté, des fois un peu plus rosé, des fois un peu plus mauve, selon les endroits, comme ici, plus vert, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. On teinte nos. Euh, notre blanc, euh, on en met très peu, toujours avec du liquin, on continue à faire des couches de glacis, de lumière, partout où on a besoin d'avoir de la lumière pour faire rééclater un petit peu tout ça. Et voilà, et comme ça, on a bâti notre tableau petit à petit, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ça prend euh, plusieurs semaines, alors c'est bien lorsqu'on travaille sur un tableau comme ça, de peut-être travailler sur un deuxième tableau à côté si vraiment on veut peindre beaucoup d'heures par jour, parce que, comme je vous ai dit, là, la, les Quelques premières couches de glacis, ça va très vite, là, je vous dirais. Pas plus que 30 minutes pour faire tout ça à la première couche de glacis. 30 minutes la deuxième, 30 minutes la troisième, vous voyez. Tant qu'on ne vient pas commencer à détailler les couleurs, ça va très très vite. Voilà, et donc euh, les roses mauves, un tableau euh, qui a été fait. Euh... C'est quelle année, ça attendez un petit peu. Je ne m'en souviens pas. Euh... 2014. Voilà, ce tableau a 5 ans. Il est juste un peu plus jeune que moi. Et euh, celui-là, alors celui-là, je l'ai fait dans, pour la formation en ligne. Même méthode. Ah, sur de la toile de lin. vous voyez, c'est assez rare que j'utilise du lait. 18-24. Vous avez certainement déjà vu ça sur des, des vidéos YouTube. Je suis en avant de ce tableau-là. Même, même, même méthode. Pareil, pareil, pareil. Exactement pareil, sauf que... C'est plus petit, donc euh, c'est euh, plus vite fait. Il hein. n'y a qu'une fleur. Mais ça donne quand même des. Je trouve. Euh, des beaux effets. Moi, j'aime le glacis. D'ailleurs, c'est une méthode très ancienne. Vermire y peignait avec cette méthode-là. Léonard de Vinci aussi, tout ça. Parce que ce que je vous expliquais, là, que le, la lumière traverse les couches de peinture, frappe le fond de la toile, retraverse les couches de peinture pour arriver à d'autres Ben, quand on le regarde de près. C'est euh, velouté. C'est sûr que quand on applique toutes les couches de glacis, c'est impossible qu'on arrête notre coup de pinceau toujours au même endroit. Et c'est ce qui fait que les contours sont doux et sont flous. Ça fait du sfumato. À la méthode de Léonard de Vinci, même si on voulait avoir des découpages nets, on ne peut pas vraiment en avoir parfaitement net. Voilà. Peut-être ici un peu plus, là, mais... Euh, non, c'est ça. Alors, c'est ça. Ça donne cette... Cette impression que, qui fait que le tableau, généralement, il est plus beau que lorsque c'est peint en opacité du début jusqu'à la fin. Un travail euh, de patience, là, mais qui est très satisfaisant aussi. Alors pourquoi ne pas vous amuser à faire des choses comme ça hein, De la peinture avec la technique du glacis, la détrempe et le glacis. Euh, ça, ça se prête très bien au portrait aussi. Moi, j'avais fait le, le portrait de Samy avec cette méthode-là. C'est superbe aussi, franchement, c'est bien. Voilà, ben, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ça aujourd'hui. Demain, euh, demain, c'est un autre jour, on verra. Peut-être je vous montrer d'autres tableaux. Euh, Peut-être, euh, je sais pas, je ne sais pas, on verra demain. Hein? Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, c'est pareil, marquez-les pareil. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires en dessous. Si vous n'en avez pas, écrivez-les quand même. J'aime bien, vous avez vu, aujourd'hui je suis passé au travers de combien de questions euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions. Là, euh, au moment où je tourne cette vidéo, là, quand j'ai été à l'ordinateur, là, il y en a plus des nouvelles questions, il n'y en a plus. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Si vous en avez, alors mettez-en. Euh, J'aime ça, vous apporter euh, du mieux que je peux euh, mes connaissances et puis partager. Et puis euh, c'est pas... Vous savez tout ce que je dis là Prenez-le toujours. Comme euh, étant ce que moi je pense, ce que moi je dis. Puis, vous savez, c'est tellement large, l'art, la, la peinture, qu'une autre personne pourrait vous dire quelque chose de différent aussi. Hein. Et, a... Mais généralement, quand c'est dans les bases, tout ça, là, euh, vous savez, j'avais beaucoup de professeurs à un moment donné à l'atelier qui donnaient des cours, et puis je m'amusais à les écouter parler aux élèves. Euh, quand ils donnaient leurs techniques, ils donnaient leurs conseils, je les écoutais. Et à chaque fois, ils me disaient. On dit la même chose. Tous, tous les autres professeurs disaient la même chose que ce que je vous dis là. C'est euh, ça revient tout le temps, pareil. Euh, donc je pense que je pense que les bases sont euh, sont générales. Hein, à part certaines, euh, par exemple, j'ai eu un artiste peintre qui venait, euh, qui était autodidacte qui avait sa propre méthode à elle, qui venait donner des ateliers spéciaux de cours de peinture au couteau, et elle, systématiquement, elle commençait sur une toile noire. Bon, et elle disait, bon, mais il faut commencer sur une toile noire, il faut faire comme ceci, comme ça. Bon, elle, elle avait sa technique à elle, sa méthode à elle pour peindre de sa manière à elle ces choses-là. C'est pas une base générale, on ne dira pas à tout le monde, mais il faut absolument peindre sur une toile noire lorsqu'on fait de la peinture au couteau. Mais non, pas du tout Hein, mais de le faire, ça va donner un style différent. C'est comme si je prenais mon tableau, ma toile, je la peins tout en rouge et je commence à peindre sur une toile rouge. Ça va donner quelque chose de particulier. Mais ça n'est pas une base obligatoire, voyez. Donc, euh, sinon, c'est ça. Comme je vous ai dit, euh, ce sont mes façons de travailler à moi, mes façons de peindre, mes façons de, de voir. Ce sont les connaissances que j'ai acquises euh, avec les cours que j'ai suivis à l'université auprès d'artistes-professeurs. Euh, ici au Québec, puis aux États-Unis aussi. Puis voilà, donc euh, je vous en fais part, je vous le partage volontiers et j'espère toujours vous apporter de bons moments dans vos journées de confinement. Voilà. Merci encore, merci beaucoup, merci à vous toutes et tous, où que vous soyez, dans vos pays, dans vos villes, dans vos régions. Euh, merci beaucoup et puis euh, à demain. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bye bye.